En période de canicule, les personnes âgées sont les plus vulnérables. Les établissements qui les accueillent adaptent donc leurs pratiques. Illustration à l'hôpital Pierre Garot de Lyon avec Mathieu Boudet et Marco Gesio. Un petit coup de maquillage, comme tous les matins. Joséphine se fait belle, et ce n'est pas la canicule qui va changer ses habitudes. Dans sa chambre, elle souffre moins de la chaleur. Je la ressens. Mais enfin, moi je me sens bien parce qu'on sent la clim. Alors, s'il n'y avait pas de clim, ça sent autre chose. Mais là, faut pas dire, on est bien. Cet hôpital gériatrique peut accueillir 180 résidents. Durant la vigilance rouge, les activités extérieures sont suspendues, même le matin, et une surveillance particulière est mise en place pour chaque patient. On boit un peu, Loulou. Tenez, je vais vous aider. Il fait très chaud aujourd'hui, Loulou. C'est important de boire. La première priorité, c'est le rafraîchissement. La deuxième priorité, c'est l'hydratation. Et encore, l'un et l'autre vont ensemble. La troisième, c'est l'observation, justement, pour voir qu'il n'y ait pas d'effet de la canicule sur nos résidents. Après la canicule meurtrière de 2003, de nombreux enseignements ont été retenus. Les bâtiments sont rafraîchis et les procédures bien rodées. Ici, la canicule, c'est presque un non-événement. On anticipe énormément et nos professionnels sont très vigilants, sont formés. C'est un point important pour nous de prévenir les risques liés aux différentes canicules qui sont annuelles, hein, voire plusieurs fois dans l'année. Hein. C'est en quelque sorte de la routine maintenant pour nous, la gestion de la canicule. Les résidents aussi semblent habitués. Ils prennent leur mal en patience. Pour Joséphine comme pour les autres, a priori, plus que quelques jours à tenir.